félicitations Beleka na Congo number one. Tant on va number one toute cette terre, number two terre. Number one. C'est ça, président Raboyi. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse à Mouka. Il va nous avoir number one. Mais internet, beaucoup de vous bêtes comme number one. T'es naturel, t'es number one. Tout le monde, t'es number one à tenir. Ils allent à la carte. Je parle à mes compatriotes. De temps en temps, il faut que nous, Congolais, sachions que nous avons quand même des intérêts. Comment? Quel est l'intérêt de l'opposition congolaise à pousser le gouvernement congolais à la faute? Comment vous pouvez à la fois dire, ah oui, mais à un moment donné, vous avez signé ça, vous avez fait ça, vous n'avez pas préparé, etc. Et puis le lendemain, on se retrouve dans la même situation, vous voulez pousser un camp pour qu'on fasse éventuellement la même faute. Non, mais monsieur Kabila, ça c'est au niveau international. C'est pas un accord privé entre un État et un groupe rebelle. Mais ça voilà, quand même voilà un peu plus de la valeur, un peu plus de la hauteur. Voilà pourquoi il était inutile de précipiter les choses tant qu'on a compris qu'il y avait des difficultés. Quand vous dites, et je crois que là je suis parfaitement d'accord avec maître Fula, quand il dit Ban Ki-moon, quand il dit que le problème congolais est complexe, il a compris un certain nombre de choses. Mais je vous dis, moi, il n'y a pas d'hypocrisie, il faut dire clairement ce qu'il a compris. Il a compris qu'il y a certains qui veulent tirer trop d'intérêt dans le problème Congo. Il a compris que c'est un marché très intéressant quand les Congolais se battent. Il a compris qu'il y a même des pays qui viennent pour sauver, veulent trop tirer. Et à ce moment-là, il faut dire stop. Tout sur le nom un peu plus, pour te comprendre. Et lorsqu'un gouvernement fait ça, on n'applaudit pas, mais quel genre d'opposition on a au Congo? On n'a pas compris que Joseph Kabila serait victime d'une crise de légitimité à l'interne. Pardon? Il n'aurait pas compris que Joseph Kabila serait victime voilà d'une crise de légitimité à l'interne. J'ai commencé à dire ici, j'ai commencé un moment en disant, parfois, mettons-nous seulement comme Congolais et laissons nos petits problèmes entre nous en arrière. Voyez-vous? Je trouve toujours un peu regrettable qu'à chaque fois qu'on vient, même si le problème est tellement délicat pour le Congo, ce qui importe pour mes amis, c'est la petite bagarre entre nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Parce que le moment est revenu sur ça. Mais bien évidemment, mais ça, c'est à son habitude. C'est son droit. Je regrette qu'il utilise un peu trop. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de sauvegarder la République démocratique du Congo. Or, quelle est la situation? Elle est très simple. Nous sommes attaqués par un pays qui s'appelle le Rwanda. Au travers de certains de nos compatriotes habillés en M23. Le programme du Rwanda, nous le connaissons, tout le monde le connaît. Ils veulent une partie de notre pays. Parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, les frontières tracées par les colonisateurs ne passaient pas au bon endroit. C'est ce qu'ils pensent. Nous pensons le contraire. Nous pensons que le Congo existe, il doit continuer d'exister dans ces frontières-là. Voilà le problème à la base. Maintenant, il y a une succession de guerres chez nous. Il y a des gens, mais pour eux c'est tout à fait normal, qui voient des intérêts là-dedans. Maintenant nous sommes en train de trouver une solution. On va négliger, on va seulement dire, on va aller précipitamment, on va tout signer rapidement pour revenir pour dire, et on l'a signé pour que deux semaines après ou deux mois après, M. Bomanda revienne encore pour dire, allez vous voyez, à Addis Abeba, vous avez mal signé. Non, c'est pas ça le problème. Le problème du Congo est complexe, je suis parfaitement d'accord avec Ban Ki-moon, qui a compris que beaucoup de pays veulent profiter de nous. Il a compris. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, lorsque vous avez la même chemise dans deux magasins différents, vous trouvez une chemise à 4 francs et vous allez ailleurs, vous la trouvez à 12 francs, vous ne vous précipitez pas pour acheter celle de 4 francs. Peut-être qu'elle a des trous derrière. Mais vous n'allez pas non plus très rapidement acheter celle de 12 francs. Parce qu'elle semble coûter trop cher. Vous prenez un peu du recul. Vous dites, attendez, je veux venir chez vous, on va discuter de ces conditions. On va regarder tout ça et prendre des décisions sages. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas signé cette affaire-là. Parce qu'il n'y avait pas à se précipiter. Maintenant, ce qui se passe à Kampala, c'est peut-être pas votre question, mais puisque l'ami l'a évoqué, il faut éclaircir un peu. À Kampala,
personne n'a jamais caché, en tout cas pas moi, que je ne pense pas que c'est à Kampala que se réglera les problèmes du Congo. Ça c'est clair. Alors là, gens, vous avez toujours dit que ça sera un échec. Échec à Addis Abeba, échec à Kampala. À Kampala, Addis Abeba, ce n'est pas un échec. Addis Abeba, le ministre Omer, nous avons refusé de signer parce que nous n'avons pas à nous préciser. Il y a eu un non-lieu. Nous devons savoir à quel prix payer, okay, même si nous sommes, oui, donc, en difficulté. Il y a eu, c'était un non-lieu. On n'a pas signé, c'est passé. À Kampala, c'est quoi la victoire ou l'échec à Kampala? La victoire pour nous à Kampala, c'est que on ne sait de rien à cette force négative. Voilà la victoire pour nous à Kampala. C'est ça. Tant qu'on n'a rien cédé à Kampala, personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit et on ne cédera rien. Parce qu'on ne va pas offrir une nouvelle transition au Congo. On ne va pas leur céder une partie de notre pays. Point. Point barre. Si les, les revendications économiques, politiques, militaires, qu'est-ce que vous allez en faire? Écoutez, le Congo a des institutions qui sont ici. C'est dans les institutions que ces affaires-là se discutent. Et puisqu'il y a des Congolais ici qui n'ont pas pris des armes, qui veulent qu'on discute, qui le demandent, le président de la République a répondu oui. Nous attendons qu'ils viennent enrichir leurs demandes, qu'ils viennent enrichir les termes de référence, de manière à ce qu'on puisse dire, bon d'accord, maintenant nous savons. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je veux qu'on discute, tu n'as pas encore dit pourquoi. Tu n'as pas encore dit qu'est-ce que tu voulais, tu n'as pas encore dit jusqu'où tu peux aller. Voilà, et donc, tout ça, ça demande que l'on discute. Voilà, si vous voulez, l'économie générale de la politique actuelle de la majorité. Donc, c'est celle-là. La priorité maintenant à la majorité, c'est d'aller vers le dialogue national. Nous ne sommes pas déçus, bien au contraire, nous sommes très contents que ça s'est terminé comme ça. À Kampala, on n'est vraiment pas déçus du tout, parce qu'on va rien céder à des forces négatives, déclaré comme force terroriste par le monde entier, même si Bowman passe son temps à nous pousser vers la faute, il veut qu'on fasse encore une faute, parce que pour lui, ce qui compte, ce n'est pas son pays. Ce qui compte pour lui, c'est le pouvoir. C'est que ses amis prennent le pouvoir et qu'on lui donne l'opportunité d'être ministre ou PDG ou je ne sais pas quoi. Or, ce n'est pas ça la question. Merci, aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est de sauver le Congo. C'est bien. Il faut tout faire pour sauver le Congo comme il est. D'accord. Tel qu'il est dans ses frontières du 30 juin. Il nous reste 17 minutes. Chacun aura droit à 5 minutes. Et vous aurez aussi à placer votre mot de la fin là-dessus. Monsieur Bumanza, ça veut dire que le dernier round à négocier entre toutes les forces vives de la RDC, c'est le dialogue national. Quel contenu donnez-vous à ces dialogues? Parce que M. Kambil a dit que le gouvernement ou la majorité semble être prête, mais on attend que l'opposition et les autres forces vives viennent enrichir le terme de référence. Quel contenu donnez-vous à ces dialogues? Ça sera notre sujet pour clore cette émission et ce sera aussi votre mot de la fin, M. Bumanza. Vous avez 5 minutes. Oui, je commence par dire ceci, que l'opposition n'a jamais poussé le régime de la majorité à l'erreur. Et c'est l'opposition qui a demandé à Tango Faure de céder les armes aux forces négatives. Non, Jean-Pierre, si vous êtes incompétent, ayez le courage de démissionner. Il ne faut pas nous distraire. L'opposition qui ne gouverne pas. Regardez, monsieur le journaliste, je vais vous donner un exemple. On apprend que Lumbala a accepté d'accompagner le M23. On suspend son parti. On lève l'immunité de Lumbala. Mais, lorsqu'à son temps, Albert Fabrice Puella, Gustave Omba lancent le courant réformateur, ils sont chassés de la majorité. Olivier Kamitat, Mboussa Nyamusi, Ndundo Bononge, Bati Lukwebo, lance le CLP, l'autorité morale tape du poing sur la table. Ça s'est tué. L'M23 qui n'a jamais signé les accords avec le régime de Kinshasa revendique l'application de ces accords. Le CNDP ne condamne pas le M23. La majorité ne chasse pas le CNDP de la majorité.
Voilà là où il y a complicité, voilà là où il y a trahison. Le Congo est victime des accords secrets des régimes de notre ami Kabila. Mais Kabila doit s'impliquer. Vous savez, lorsqu'on s'entête même pour rien, la conséquence est connue. Vous voulez voir Kabila là-dedans comment? Comme président de la République, non. Ou bien comme c'était à la conférence nationale avec le maréchal Mobutu, il vient comme tout autre Congolais. Kabila est parti au conflit. Ça ne mâchons pas les mots. Sa légitimité est contestée. Nous avons un président légal et un président légitime. Ça, au moins, tout le monde le sait. Nous devons aller au dialogue. Le contenu, c'est lequel? D'abord, le problème de légitimité. Deuxièmement, le problème du cycle électoral. Vous voyez, on a revu la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Logiquement, qu'est-ce qui devait se passer? Toutes ces institutions issues de ces élections chaotiques de 2011 devaient être dissoutes. Quand Jean-Pierre nous dit non, ça doit se discuter aux institutions. Il vous reste une institution de nommer. Une minute, 30 secondes. Nous devons aborder les problèmes du pouvoir judiciaire. Regardez jusqu'au jour où se trouve la Cour constitutionnelle, où se trouve la Cour de cassation. Nous devons aborder le problème de l'administration publique. Mais jusqu'à titre indicatif, il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est pourquoi nous pensons que... Il faut mettre en arrêt toutes les institutions. Mais les institutions sont là sur papier. C'est le terrain, vous voyez les institutions où? Vous suivez à Nitouri. Mais ces rebelles qui est là, qui a tué les Okapia et Poulou, qui sème le terrain, où se trouve l'État? Où se trouve le gouvernement? Vous suivez au Kassai. Merci. Les gens se tuent, ils brûlent les maisons. Où se trouve la puissance publique? Concluez, M. Boumanza. Vous avez épuisé votre temps. Je vais conclure en disant ceci, que l'entêtement n'est pas une bonne chose. Félicitations et belles cas na Congo number one. Tant que le number one tout est beauté, number two est number one. C'est ça, président Raboui. Ils allent Raboui quoi? Ils allent vraiment Raboui. Presse en boca. Ils vont na Congo number one. Mais internet beaucoup t'as beaucoup de Congo number one. T'es na Tunis, t'es number one. Tout le monde t'es number one na Tunis. Ils allent là.